Maurice Bouchaillet est le dernier fabricant français de ballons gonflables. Implanté à Tulin, son entreprise emploie une quarantaine de personnes et se porte bien. Pourtant, son équilibre pourrait être fragilisé. En cause, la nouvelle directive européenne qui bannira les tiges plastiques, support des ballons, en 2021. Problème, ce dirigeant ne sait pour l'instant pas comment les remplacer. Les normes du jouet demandent à ce que la tige ne puisse pas casser. Donc vous voyez, un enfant, quand il va faire comme ceci, si on remplace cette tige par du bois, le bois n'aura pas cette faculté de ne pas pouvoir casser. Le carton, je pense que ça sera pareil, le papier, ça sera pareil. Donc je pense qu'on n'aura pas trop d'alternatives pour changer la tige en plastique. Et ce n'est pas tout, car le texte prévoit également une responsabilité élargie des producteurs de baudruches. En clair, chacun des 60 millions de ballons que fabrique cette usine chaque année sera taxé. Une injustice pour cet Isérois dont les produits sont biodégradables. C'est très préjudiciable pour ma société, car on est assimilé à un produit polluant, alors que c'est faux. Les ballons sont produits avec la sève de l'EVA. Sève de l'EVA, c'est un produit naturel. Ça n'a rien à voir avec des plastiques. Donc, la directive est sur les plastiques, donc le latex, c'est naturel et c'est biodégradable en très peu de temps, quoi. Cette société qu'il a créée il y a 30 ans, Maurice Bouchaillet est sur le point de la transmettre à ses enfants. Mais devant ces décisions politiques, prises sans concertation, toute la famille s'interroge sur l'avenir de l'entreprise. On est quand même inquiet, c'est vrai, parce que bon, aujourd'hui, cette directive est passée. On est en question de se poser qu'est-ce qui va se profiler demain. Ça peut être dangereux pour notre métier, pour toute la profession. Ils ont interpellé les députés européens et même écrit au président de la République. Rien n'y a fait. Pour ces artisans de la fête, 2018 s'achève sur un goût amer.